Pour commencer, nous allons présenter les différents intervenants. Et cette présentation va s'accompagner d'images pour montrer le travail qui est fait ou les travaux qui sont portés par ces interlocuteurs. Donc, on commence par le travail d'Erika. Erika, qui est artiste, peintre et graveur, autodidacte depuis 25 ans. Erika partage son temps de création, Erika Rayot, partage son temps de création entre le travail d'atelier et l'intervention grand format dans l'espace public. Elle explore des techniques mixtes et s'intéresse aux objets déchus, aux supports pour elle des supports pour l'imaginaire, qui ont gardé la trace de l'empreinte du temps. Elle travaille les papiers anciens, les cartes marines, le bois d'épave, le zinc oxydé. Et cette mixité lui permet de flirter avec les frontières de différents médiums. Elle travaille les assemblages d'objets, la peinture, le collage et la linogravure. Ils sont autant d'éléments pour elle qui lui permettent d'aborder la création d'une manière ludique et de perpétuer une forme de mémoire en se réappropriant leur identité et en développant un langage pictural basé sur une narration qu'elle veut poétique. Ces personnages au caractère libre et aventurier sont parfois détournés sous la forme de divinités antiques. Et bien sûr, les figures féminines y sont très présentes. D'autre part, elle affectionne particulièrement détourner les motifs traditionnels hydriques ou végétaux qui sont présents dans différentes cultures et qui expriment, selon elle, la notion d'universalité inspirée de la nature. Elle joue avec les codes maritimes, les constellations, les repères de navigation. Elle invite le spectateur au voyage. Et depuis 2015, ses collages muraux et ses peintures se baladent autour du monde dans les rues et les rivages qu'elle visite. Elle a participé en outre à de nombreuses expositions et projets culturels en France comme à l'étranger. Nous avons également parmi nous aujourd'hui Jérémia Blanchard. Jérémia est adjoint au directeur des affaires culturelles de la ville de Saint-Brieuc et il est notamment chargé de l'accompagnement des projets d'art urbain. Il est titulaire d'un DEFA, c'est ça ? Et donc, il nous vient du monde socio-culturel et non du monde académique, comme tu l'avais précisé. Il est également en charge, dans le cadre de ses fonctions, de l'éducation artistique et culturelle. Yann débarque tout fraîchement de son train. Yann est né et travaille en Bretagne. Il découvre la peinture en 2000, lors de ses années d'internat, à l'âge de 16 ans. Les premières années seront plus une forme d'apprentissage de l'histoire de l'art, ses codes et ses formes. Il est curieux de toutes expériences. Il touche à tout un panel de différentes pratiques et notamment au graffiti. À son arrivée à Paris, pour ses études d'ébéniste à l'école Boulle, dont il sort major en 2006, Yann va rencontrer des personnes atypiques et fondamentalement passionnées. Ensemble, ils vont pratiquer une forme singulière de graffiti en développant un travail de lettrage et de forme teinté d'architecture, de mobilier et d'art moderne. Avec les années, un style va s'affirmer et aussi une méthodologie. Il travaille sur des thématiques diverses qu'il décline sur une dizaine de peintures et au gré de ses inspirations, ses lectures ou même ses recherches artistiques. Les thèmes abordés tendent vers l'abstraction et l'art contemporain. Il aime les références de science, d'astronomie et d'autres sujets bien variés qui peuvent l'inspirer. Au gré de ses projets, Yann travaille tantôt le noir et blanc, qui pour lui représente une puissance artistique, tantôt les couleurs primaires auxquelles il est particulièrement sensible. Il faut dire aussi qu'il s'attache à la texture et à restituer un travail visuellement intéressant au toucher. Depuis, Yann Lebert, dit l'outsider, est suivi de près par différentes galeries qui le représentent et exposent son travail en France, mais également à l'étranger, au Maroc, aux États-Unis, en Suisse, et j'en passe. Nicolas Papy, qui est présent également entre Yann et Jérémia. Il est artiste autodidacte et membre fondateur du collectif international le TSF Crew. Nicolas Poujol, dit Papy, vient du graffiti et du travail de rue. Il est actif depuis plus de 25 ans dans le milieu du street art. Il est un artiste plasticien qui touche à tout et travaille les volumes, les matières. Il est en constante recherche de nouvelles voies d'expérimentation. Attaché à ce qu'il appelle la noblesse du quotidien, ses recherches personnelles s'orientent vers la sublimation des marques de la vie
à travers le visage des anciens et la lecture de l'histoire qu'ils peuvent porter, représenter. Il est reconnu pour son travail monumental sur des murs, des trompe-l'œil, des illusions d'optique. Son travail d'atelier prend un tour plus personnel tout en creusant le sillon de ses recherches autour de la perception du rapport à l'espace et de l'interaction entre l'œuvre et le public sur laquelle nous allons revenir tout à l'heure. Il a participé à plusieurs festivals, à plusieurs expositions et événements, aussi bien en France qu'à l'étranger. Il a pu intervenir au Mexique, en Chine, au Burkina Faso, en Angleterre, en Belgique. Ses travaux ont fait l'objet de publications dans la presse spécialisée et plus généraliste. Lui est attaché à un art populaire et il continue de prôner l'échange, la transmission à travers des initiations et des masterclass, des ateliers en France et à l'étranger. Nous poursuivons ce tour de table avec Olivier Kurt, qui est architecte des bâtiments de France. Il est diplômé. Bravo. Il est diplômé depuis 1996, après avoir suivi son cursus à l'école d'architecture de Saint-Étienne. Il a été pendant 10 ans employé, donc il a travaillé au Conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement. Et il est depuis 15 ans donc architecte des bâtiments de France, tout d'abord en Côte d'Or, dans l'Yonne, et depuis 5 ans, il travaille dans le Morbihan. Et pour finir, nous avons la présence de d'FKV, qui, après quelques années de graffiti et sous différents noms, va commencer pour FKV donc, le parcours sur, principalement sur les murs de Nantes. En 2016, sa vision évolue au contact de la zone à défendre de Notre-Dame-des-Landes. Il se soucie alors de développer une pratique qui est plus personnelle et gratuite. Il commence la gravure, grand format, avec des matériaux de récupération. Il va créer des affiches qu'il colle ensuite dans l'espace public. En 2018, FKV 37 arrive dans le Morbihan pour participer à la création d'un tiers-lieu dont on a évoqué le nom tout à l'heure, la Villa Grégam, dans un petit village rural où il sera aussi artiste résident. Et il continue de développer son travail, mais davantage en atelier. On va revenir tout à l'heure, FKV, puisque ça fait partie aussi des éléments que tu as abordés, que tu as souhaité présenter dans cette biographie, le rapport avec le public. Ça fera l'objet d'une question pour plusieurs intervenants tout à l'heure. Et si vous êtes d'accord, on va commencer par les praticiens, des questions qui sont adressées aux praticiens. Ensuite, on mêlera les voix, les lectures plus institutionnelles. Et puis, on verra si on peut entrecroiser tout cela à la fin. Peut-être une question pour commencer. Yann, toi, comment tu fais le lien entre ta pratique personnelle et la pratique de commande ? Est-ce que c'est difficile de ne pas perdre le lien entre les deux ? Alors, moi, j'ai été ébéniste pendant une quinzaine d'années. Pendant que je peignais, les parcours se sont mitoyens et se sont construits un peu en parallèle. Et cette période où j'ai pratiqué le graffiti dans une pure passion, on va dire non professionnelle et sans ambition d'en vivre, elle a permis aussi de me construire sans ambition particulière de vivre de ça, de cette pratique. Et ça m'a... Quand j'ai évolué, pour diverses raisons que j'ai voulu en vivre, la condition, elle était justement de ne pas redevenir l'artisan de ma pratique, de ma passion de peintre. Et du coup, j'avais clairement pas envie de faire des concessions ou de rentrer dans une forme artisanale de ma pratique de graffiti, c'est-à-dire de répondre à des commandes qui étaient trop serrées, ou ce qui était dans les années 90 un des rares débouchés pour les graffeurs, de faire des commandes pour des boulangers, des kebabs, des choses qui sont pas dégradantes, évidemment, puisque c'est une réalité de comment il y avait différents échappatoires. Il y avait le tatou, il y avait le graphisme, il y avait les commandes. Ça a été le lot de la génération, beaucoup la génération avant moi, qui a commencé 10 ans avant. Et parce que les réseaux des galeries, de l'acceptation de ce milieu, il n'était pas encore vraiment fait. Et du coup, au niveau temporalité, ce n'était pas suffisamment mûr pour qu'effectivement, il y ait un marché, il y ait des commandes, il y ait des galeries.
Donc forcément, moi, j'arrive à un moment qui est déjà assez propice à ça. Et en plus, moi, j'ai aucune concession à faire, parce que si j'ai une concession à faire, c'est redevenir ébéniste et vivre de ma passion. Donc forcément, ça m'a aidé à affirmer quelque chose où, effectivement, des fois, j'ai une commande, je vois qu'il y a un cahier des charges et je vois que, effectivement, si je pars sur quelque chose de radical ou en noir et blanc et que je vois que ça ne va pas passer, en gros, je vais perdre le chantier ou que c'est un appel d'offres, etc. J'essaye de quand même être intelligent ou un peu malin quoi, dans ma proposition. Mais c'est sûr que dès que j'ai carte blanche, ou surtout dans le cadre de festivals, où effectivement on nous prend pour nos travaux personnels et pas pour répondre forcément à un marché, c'est, même si généralement au niveau réalité financière, c'est pas les chantiers les plus intéressants, c'est aussi ceux où je prends le plus de plaisir. Mais par exemple, puisque Jean Faucheur est là et que quand j'ai décidé d'en vivre, c'est le premier travail qui m'a été demandé de faire une énorme fresque sur la L2 à Marseille. Là, pareil, il y avait des réalités liées au chantier, liées au support. Ça a été amené de manière assez intelligente pour que ça ne soit pas une commande réellement. Et à la fois, il y avait des idées de jouer sur le béton, de jouer sur d'avoir des contraintes par rapport au chantier même et même aux commanditaires. Donc là, effectivement, c'est un dialogue qui, quand il est fait intelligemment, n'est pas pris sous une forme de concession. C'est agréable parce que finalement, on trouve des solutions qui arrangent tout le monde et qui, moi, n'empêchent pas, ne me frustrent pas à me dire que je suis dans un travail de commande et de réalisation stricto sensu, quoi. Merci beaucoup. Alors, c'est vrai que les questions parfois sont sur une des questions qui est adressée aux autres, évidemment, que voilà, tout le monde est libre d'intervenir si la question vous parle à titre personnel. Erika, moi, je voulais te poser la question, dans la mesure où toi, tu as commencé ton travail par l'atelier, par du travail de chevalet, puis tu es passé à la rue. Est-ce que la question de la légitimité, tu l'as sentie? Est-ce qu'on t'a fait sentir que, pour ce qui est de ta casquette d'artiste dans l'espace public, ta légitimité était questionnée? Tu veux dire en tant qu'artiste d'art urbain? Oui, je l'ai senti. Je l'ai senti, mais pas. En fait, je l'ai pas senti de par les institutions. Je l'ai senti sur des jams au départ. Et en même temps, je me sentais pas. Évidemment, je me revendique pas du graffiti, puisque j'ai commencé par l'atelier. En revanche, j'ai été nourrie par ces influences dans les années 90, 91, quand j'étais à Paris, après quand j'étais à Amsterdam, parce que moi, j'ai beaucoup rodé la nuit. Mais autour de la musique, plutôt dans des concerts, des choses comme ça. Donc j'ai été nourrie par tout ça. Et ce qui m'animait le plus dans cette pratique, j'y suis venue plus tard parce que j'ai eu des enfants très jeunes, mais c'était le fait de rôder, c'était la performance de se mettre en danger et d'être dans des lieux, des friches, enfin voilà, ça me fascinait. Et du coup, moi, je l'ai fait de jour. Pour récupérer des objets sur lesquels je peignais quand j'avais ma pratique d'atelier ou des choses que je trouvais dans la rue. Et ensuite, quand j'ai eu plus de temps, j'ai commencé à le faire d'une manière cachée parce que j'étais revenue déjà dans un milieu rural. Donc Mathias en parlait justement de ces friches en milieu rural où on a la possibilité de pratiquer sans avoir une envie de montrer déjà. Je signais même pas. C'est-à-dire que j'avais besoin de me confronter à, comment dirais-je, un contexte, au vent, à la pluie, travailler rapidement. C'était un exercice pour moi qui nourrissait mon travail d'atelier et qui me permettait de sortir de mes pratiques habituelles et surtout d'évoluer. Donc ça, je le savais. Et du coup, j'avais pas de compte à rendre, en fait. Donc effectivement, les gens que je rencontrais qui ne me connaissaient pas, déjà j'étais une femme, et ils me disaient bon, c'est qui celle-là, et voilà.
Et puis en fait, en discutant, tout se passe très bien. Hein. Et puis moi, j'avais pas besoin de me justifier en fait. J'ai pas ressenti ça d'une manière forte. Après, les gens sont venus vers moi, les institutions, pour me passer des commandes. Donc voilà, j'ai avancé sans trop me poser de questions en fait depuis le début, mais dans tous les domaines, ça s'est fait naturellement. Après, je ne connais pas le ressenti des autres, hein. C'est le mien. On en parlera peut-être tout à l'heure. Il y aura un tour de table et la parole donnée, bien sûr, à tout le monde. Toi, FKV, je rebondis un peu sur ce qui a été dit. Alors, je dois dire aussi que les questions qui ont été préparées, elles ont été faites sur la base du travail qui a été présenté tout à l'heure. Et donc, j'ai saisi quelques perches qui émergeaient de ce travail pour rédiger ces questions. Et donc, la question des espaces ruraux et de l'expérience esthétique qu'on peut offrir à des publics qui ne sont pas familiarisés en fait, avec les espaces muséaux, les expériences esthétiques au quotidien. Je sais que ça, c'est un élément qui te préoccupe. Comment on pourrait favoriser, en fait, cet accès, développer davantage des interventions dans des espaces ruraux, pas seulement dans les villages, vraiment de surprendre les spectateurs, les habitants, dans des espaces qui sont, pour le coup, peu habités, inhabités, des hangars agricoles notamment. Je sais que l'artiste Amparito, espagnol, investit pas mal ce genre de surface. Est-ce qu'on peut envisager en Bretagne, et de quelle façon envisager de développer des initiatives comme ça rurales ? On sait qu'il y en a. Comment faire ? Est-ce que tu as réfléchi à la question ? Est-ce que ça te touche ? En fait, moi, j'ai surtout été sur Grandchamp, donc toujours un peu sur vraiment le même secteur local. Mais avant, je venais de Nantes. Donc, c'était plus. J'ai fait un peu mes armes en ville. Et après, je me suis retrouvé dans un petit village. Et en fait, déjà, le rapport au muralisme, il était déjà un peu différent. Parce que je trouve qu'en ville, avec l'art urbain, on va vraiment avoir envie de montrer son identité dans un petit peu l'anonymat de la ville. Alors qu'à la campagne, comme en fait déjà tout le monde se connaît, moi j'étais plus attiré pour faire quelque chose de collectif. Donc en fait, même mes sujets de peinture, là c'est pas mal des photos de la villa. Et en fait, du coup, je traite des sujets où vraiment j'inclus, je peux inclure un petit peu ce que je ressens avec les habitants. Bah, par exemple, typiquement, ça c'est en fait, il y a la route que tous les habitants prennent pour aller au boulot le matin. Du coup, c'est vraiment directement adressé à leur début de journée. Et voilà, après, il y a un petit peu plein de petits clins d'œil sur l'histoire du village. Mais c'est vrai que l'art urbain en milieu rural, c'est un petit peu contradictoire. Donc, du coup, c'est pour ça qu'il faut un petit peu le. Enfin, moi, en tout cas, ça a muté durant ces 5 années à la villa. Voilà. Nicolas, j'avais une question concernant. L'équation compliquée de peindre versus payer son loyer. Est-ce que c'est une question qui t'a préoccupé ? Et si oui, comment l'as-tu résolu cette question ? Oui, ça m'a préoccupé. Tout le monde paye son loyer, donc forcément, de fait, ce qui m'a préoccupé surtout, c'est, et là je te rejoins Yann, c'est la question de comment on transforme une passion en pratique rémunératrice sans détruire cette passion, sans l'abîmer. Alors moi, c'est un peu particulier parce que j'ai un travail qui a toujours été très illustratif, très, très figuratif. Enfin, on travaille sur de la grande scène. J'ai tendance à dire « on » parce que j'ai un travail très collectif, en fait, plus qu'un travail personnel. Du coup, on a... Comme le disait Mathias, me semble-t-il, pendant la première partie, il y a un moment où on peint, on fait ce genre de choses, et en fait, les gens viennent nous voir, ils nous disent, voilà, tiens, la chambre de mon fils, ma société, voilà, et puis on passe les ceintures, donc on passe des chambres d'enfants aux murs de société, aux grandes commandes publiques, et si on a de la chance, on part voir un petit peu ce qui se passe dans le monde.
Effectivement, ça m'a préoccupé, mais ça s'est fait assez naturellement, en fait, le passage. Maintenant, comme beaucoup d'entre nous, c'est moi, j'ai pas une pratique artistique au sens galerie ou muséal qui rentre dans mon, enfin qui je vends pas de toile, je fais que des murs. Et il y a toujours eu quasiment depuis le départ cette espèce de construction en parallèle. Tiens, on va faire la palissade du chantier pour éviter qu'elle soit taguée, effectivement. Au début, ça nous paye des bombes, puis on se dit, tiens, on en faisant plein, finalement, ça paye le loyer, ainsi de suite. En fait, ça s'est construit assez naturellement. La réflexion a plutôt été d'ailleurs à un moment un peu problème de riche, on avait trop de commandes, du coup on s'est un peu épuisé là-dessus. Quand on commence à partir faire sa passion tout en se en ayant l'impression de se lever le matin pour aller bosser à l'usine, enfin voilà, il y a ce truc un peu de on fait artiste pour être libre et puis finalement pour en vivre on se retrouve plein de contraintes parce qu'il faut aller faire la palissade là-bas pour payer son loyer, et voilà, du coup il y a eu un peu cette façon de comment on protège sa passion. Pour moi, ça a été le fait de tout en continuant à peindre, de monter des événements, de monter, enfin, tout à fait le processus qui a été décrit, en fait, dans la première partie de ces interventions. Voilà, je suis aussi de la génération où, en fait, ces choses-là n'existaient pas. Donc, si on voulait que ça se passe, il fallait le créer nous-mêmes. Donc, il y a aussi cette culture liée au hip-hop, du do-it-yourself, voilà, on va le faire de toute façon, que vous nous donniez les moyens ou pas, qu'on ait un lieu ou pas. Enfin, c'est un peu, voilà. Donc, il y a un peu toute cette culture-là. Et du coup, maintenant, c'est un savant mélange entre organisation et création artistique qui paye mon loyer. On reviendra tout à l'heure sur le cas de Saint-Brieuc, hein, que vous portez tous les deux et dont vous allez pouvoir parler de façon plus détaillée, qui sera notre terrain de recherche et de jeu tout à l'heure. Je voulais continuer alors peut-être sur une question qui a émergé aussi tout à l'heure et aussi dans le rapport. Qu'est-ce que vous pensez, vous, d'une formation universitaire spécifique? Et si oui, à quoi ressemblerait la formation idéale d'artistes urbains, d'artistes qui interviennent dans l'espace public? Est-ce qu'il y aurait un module pour remplir des appels à projets? Non, mais comme toute culture alternative, on est face à l'académisme de cette culture aujourd'hui. Est-ce que c'est bien? Je pense que tous ceux, moi j'ai commencé, je suis pas pionnier du tout, mais j'ai commencé il y a 23 ans. Les gens qui ont commencé à 30 ans, c'est quand même une, ça nous ferait sourire d'avoir un prof de graphe, des intervenants en street art. Bon, en plus, on est dans un mouvement qui se construit, donc forcément, et bon, les initiatives comme Arcane, c'est les trucs qu'on a besoin, qui répondent à un besoin et qui sont pertinentes pour ça. Après, l'académisme, on y vient et on n'y échappera pas. De toute façon, soit par des modules indépendants dans des intervenants au sein des Beaux-Arts qui sont des spécialistes, des historiens, des pratiquants qui donnent finalement des clés et qui évitent à des jeunes élèves de ne pas faire peut-être les mêmes erreurs que ce qu'on a pu faire, parce que nous, tout s'est construit un peu comme ça, avec des bouts de ficelle. Et forcément, quand je pense dans tout mouvement, moi je suis originaire de Pont-Aven, étudiant un peu l'histoire de la peinture de ce village-là, finalement ça s'est passé exactement pareil. Tout est très amateur, se construit, se formalise, se densifie, devient de plus en plus pérenne, et puis après le marché arrive et tout ça. Bon, c'est des choses qui se construisent. Là, moi je en tant que Je pense que c'est inévitable qu'un jour il y ait des formations. Alors, est-ce que soit c'est une sorte de CAP graffiti pour des gens qui répondent à des commandes? Est-ce que c'est parce qu'il y a là, il y a dans cette pratique, il y a vraiment une dimension artisanale et une dimension artistique, et les deux peuvent se mêler. Mais moi, je viens d'une filière qui est d'artisanat d'art. On nous demande d'avoir une certaine sensibilité, mais on répond quand même à des demandes. On fabrique des meubles, quoi. Donc là, on est dans une hybridation. Est-ce que le graffiti, c'est ça,
et c'est le cas pour pas mal de gens, finalement. Ils ont une pratique d'artisan d'art de la peinture urbaine. Soit, effectivement, il y a une dimension académique où là, on est sur des filières beaux-arts. Mais pour l'instant, c'est aussi une niche, quoi, l'art urbain. Et on le voit sur les prix des œuvres, sur les collections qui sont présentes dans les FRAC. C'est encore très jeune, quoi. Donc, je pense que ça va être le cas dans quelques années, et puis ce sera surtout guidé par les intervenants qui le feront, leur vision à eux, et je pense que ce serait quand même assez sain, je ne sais pas s'il y a des gens qui sont dans l'institution ici, mais qu'effectivement il y ait quand même de temps en temps des intervenants, au même titre que des artistes contemporains interviennent dans les beaux-arts pour des modules, des formations, etc. Alors, c'est le cas à Rennes, à Rennes 2, où interviennent notamment certains praticiens de Teenage Kicks qui, en tant que donc, praticiens, proposent des ateliers ou des retours théoriques sur leurs pratiques. Patrice Poche est intervenu, Mathias, et... oh, le coca. Merci. Apparemment, c'est détachant pour la moquette, donc ça tombe bien. Ça se met en place, oui, et je crois que je peux aussi évoquer le cas des Beaux-Arts de Madrid, la faculté des Beaux-Arts de Madrid de l'Université Complutense, où un parcours a été créé pour familiariser les étudiants avec le support mural, et donc ils ont des cours de peinture sur mur directement. Alors, j'ai juste une autre anecdote. Il y a aussi en ce moment, je ne sais pas si des filières d'écoles d'art privées qui se développent beaucoup, donc, dont les ICAR et un des Mathieu Logéro Lasserre, ou en tout cas, il y a des gens qui incarnent ça. Moi, j'ai travaillé pour eux sur un projet, et c'est vrai qu'ils sont très ouverts à ça, pour peindre dans l'école, au sein de l'école, initier les gens. Ça peut aussi être dans le réseau privé que ça se fait, quoi. Je voulais juste réagir parce qu'en fait, pour moi, c'est scinder une technique. Donc là, on parle de technique. Mais l'essence même du graffiti, ça ne s'enseigne pas. Enfin, c'est sauvage. Enfin, c'est un truc de nuit. Du coup, je trouve ça complètement... C'est un oxymore de l'enseigner. Enfin, donc voilà, je voulais juste réagir par rapport à ça. Si je peux réagir également, c'est... Je pense que c'est effectivement inévitable, à mon avis, d'en arriver. C'est la suite logique de l'institutionnalisation. C'est l'évolution normale de tout courant artistique qui s'installe. C'est un peu rapidement mettre de côté le fait que justement une des richesses de ce mouvement était son accessibilité. Moi je fais partie par exemple de ces gens qui ne dessinaient pas, qui n'étaient jamais rentrés dans un musée, qui n'avaient jamais ouvert un bouquin d'art et qui a écrit son nom sur la table de son collège parce que c'était facile, un stylo, mon nom, bon voilà, ça ne demande pas une grande culture artistique au départ, enfin, c'est pas besoin de faire les beaux-arts pour ça, voilà. Je fais même partie un peu de cette génération Oulala, les graffeurs des beaux-arts, c'était le diable pour nous un petit peu, quoi. C'était voilà, il y avait un peu ce côté rejet entre. Voilà, enfin tout ça pour dire que qu'il faut pas, qu'à mon avis, il faut faire attention à ce que voilà, à ce qui a nourri, à ce qui a créé l'essence. Je suis pas contre du tout. Enfin de toute façon, j'ai pas mon mot à dire, mais je suis pas contre du tout le fait que des cursus artistiques se développent autour de ça. Je pense que pour des bêtes raisons sémantiques, on devrait parler d'art urbain ou de muralisme plutôt que de graffiti, qui lui a ses spécificités. Ils ont tous leurs spécificités, mais qui a une spécificité qui l'empêche un peu d'être enseigné dans des institutions, enfin voilà, à mon sens. Que le processus d'institutionnalisation, et c'est déjà un petit peu le cas parfois, ne laisse pas de côté ce côté que tu disais sauvage, mais en fait on dit la même chose, enfin ce côté de accessible à justement tous ces gens qui n'ont pas ce background culturel classique, enfin de culture. Ouais, juste.
Oui, alors je rebondis sur ces éléments-là que vous avez présentés. En effet, c'est vrai qu'il faut bien séparer les deux types de pratiques entre celle de commande et la pratique sauvage. De fait, le muralisme, c'est un courant reconnu artistique qui date d'un siècle maintenant. Donc une pratique qui est reconnue institutionnellement parlant. Oui, en effet, c'est la crainte qu'on peut avoir de voir émerger des parcours et d'effacer la pratique sauvage, ce qui serait en effet une crainte. En ce qui concerne la formation, vous, en tant qu'artiste qui intervenait dans la rue, est-ce que on peut parler formation continue, ne serait-ce que passer un permis nacelle? Est-ce que on vous accompagne sur ce genre de formation? Est-ce qu'on vous propose des choses? Est-ce que c'est un manque à souligner de votre côté? Est-ce que vous souhaiteriez aussi évoquer des formations qui pourraient être pertinentes et dont vous pourriez bénéficier en tant qu'artiste rémunéré pour votre pratique? C'est une question collective. Je ne sais pas si vous souhaitez y répondre, mais voilà. Moi, je l'ai passé à titre privé, mon CACES nacelle, parce qu'au début, j'intervenais dans des festivals où là, personne vérifiait que j'avais le permis ou pas. Donc forcément, dès qu'après, on a des projets de mairie où là, effectivement, il y a une vérification, je l'ai passé. Je voulais profiter du CPF parce que j'avais été salarié pendant longtemps. Et puis, en fait, ça m'a... Je ne suis pas très papier, de toute façon, donc... Voilà, je l'ai passé, mais j'étais un des rares. Hein. Franchement, j'étais quasiment le seul à le payer moi-même. Hein. C'était que des formations payées, soit par le Pôle emploi, soit par les employeurs des personnes. C'est vrai que c'est nécessaire parce que, bon, tant que tout se passe bien, il n'y a pas de problème. Mais s'il y a un accident, ça peut être dramatique quand même de ne pas du tout être couvert si on n'a pas ce permis-là. Et puis, c'est marrant, c'est... Coupler en parallèle certains qui se sont dirigés vers ça, ils sont assistants d'artistes parce qu'ils sont assez à l'aise à la nacelle, parce qu'en fait il faut quand même sur le projet par exemple L2, c'était des gens qui étaient électriciens, plombiers, qui étaient nacellistes, donc eux ils anticipent aucun geste, ils sont pas peintres, donc ils ralentissaient énormément le chantier parce que ils passaient leur temps à fumer des clopes sur la nacelle. Donc là c'est vrai que d'avoir un peintre ou quelqu'un qui est issu de cette culture là qui est nacelliste, il anticipe tout de suite que quand on fait un geste il doit déplacer, etc. Donc c'est très confortable pour ça, et il y a quelques artistes qui se sont dirigés vers ça, qui sont devenus spécialistes de la conduite de nacelle pour d'autres artistes. Donc ça peut aussi être une partie du boulot quoi, pour eux. Donc, mais voilà. Juste pour information, pour les artistes plasticiens qui sont soumis au régime des artistes plasticiens et ils ont un droit à la formation auprès de l'AFDAS. Hein, et, c'est le genre de formation qui peut être rémunérée justement par ce fonds-là. Voilà, juste pour info. Oui, et en termes de formation des artistes qui interviennent dans l'espace public, je pense que cette dimension-là, elle serait à prendre en compte s'ils devaient être formés. C'est-à-dire que je crois que pour ces artistes, il y a une donne très spécifique qui est le terrain de jeu sur lequel ils interviennent. On se rend bien compte sur plein d'événements qu'on accompagne, qu'on voit, qu'on suit, qu'il y a effectivement la question du geste artistique, mais il y a aussi là où le geste artistique se pose. Si c'est dans le cadre effectivement d'une commande d'un festival, si c'est un particulier qui met son mur à disposition, si c'est un équipement municipal, s'il y a préconisation de l'ABF, naviguer dans toutes ces contraintes qui sont d'ordre réglementaire, du droit lié à l'œuvre, des droits artistiques, etc. Le nombre de street artistes que je rencontre qui sont un peu démunis sur ces questions parce qu'effectivement ils sont passés par des modes vandales où un support leur plaisait, il était bien situé, il était visible, on posait un mur dessus, on repartait. Là, quand on est dans quelque chose d'un peu plus institutionnalisé, toutes ces questions-là se posent. Et c'est une question que je vous renvoie un peu. J'ai souvent l'impression que les artistes, quand ils sont démunis, c'est sur cette question-là. Euh,
je voulais dire, mais Mathias l'a souligné, que quand on est à la Maison des artistes, on peut avoir une formation. Après, il y a aussi d'autres moyens. J'essaie de vous partager mon expérience aussi. Moi, j'ai appris toute seule. Enfin, j'ai appris sur une commande privée. J'ai eu une commande privée, je me suis un peu challengée à dire oui, je peux le faire. C'était à 5 mètres de haut et ça faisait 18 mètres de large. Et du coup, le timing était beaucoup trop court pour que je puisse passer mon cassette. Et du coup, j'ai négocié avec... C'était pour un hôtel. J'ai négocié avec l'hôtel que, comme il y avait un ravalement avant et la nacelle serait en place, je leur ai dit, ben, vous n'avez qu'à me montrer. Je pensais qu'ils me montreraient sur plusieurs jours ou qu'ils m'accompagneraient au moins pendant plusieurs jours, sauf que les peintres m'ont montré pendant 2 heures et après, ils m'ont lâché sur la nacelle. Bon, je me suis débrouillée. Mais il y a aussi des possibilités de négocier sur des commandes privées ou avec une municipalité, d'avoir un assistant, si on n'a pas le CACES, ça se fait. Et effectivement, c'est mieux de l'avoir après parce qu'on est beaucoup plus à l'aise, quoi. Mais c'est vrai que pour ceux qui sont auto-entrepreneurs ou qui ne sont pas à la Maison des artistes, je ne sais pas du tout quels moyens ils ont d'être informés sur les formations. Je ne sais pas, tu pourrais peut-être t'exprimer, toi, sur le sujet ? Bah, du coup, moi, c'est un peu comme le collègue. J'ai passé parce que j'avais travaillé avant, donc j'avais pu faire. Enfin, j'avais 2 ou 3 formations qui m'a permis d'avoir le permis. Mais en tout cas, pour revenir sur les formations art urbain, c'est sûr que c'est ça le plus pertinent. C'est des trucs, on va dire, un peu usuels, techniques, ou même tout ce qui est législation, machin. Ça, je trouve ça moins incohérent que vraiment proposer un truc sur le street art dans son sens de naissance. Voilà. Ou pour moi, c'est plus l'émancipation, que apprendre les gens à... Enfin, c'est pas possible. Non, non. Voilà. Oui, bien sûr. C'est comme tu posais la question des peut-être besoins en formation de ce qui pourrait... Alors, on a tous insisté sur la nacelle parce que c'est ce qui se voit le plus. Quand on commence à se faire peur à 10 mètres de haut, on sent bien que ça peut être intéressant d'être formé pour... Mais par exemple, à titre personnel, enfin avec mon collectif, les premières questions qui se sont posées, parce que bon, maintenant, le fait de faire des murs à la nacelle et tout, c'est devenu assez commun pour les artistes. Assez rapidement, on y arrive, c'était pas le cas avant. Mais les premières questions qu'on s'est posées sont des questions bêtement, je vais redescendre un petit peu, mais c'est des questions de peintre en bâtiment, en fait. C'est bêtement des questions de, sur tel support, qu'est-ce que j'utilise comme matériel, je vernis pas, toutes ces questions qui sont en fait des questions de ravaleur de façade, quoi. Enfin, on n'est pas, on est quand même, parce qu'il y a, voilà, là on rejoint le côté très artisanal de la pratique. C'est si je veux que mon mur soit encore là dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, quel outil j'utilise, comment. Voilà, et je pense que là, effectivement, je te rejoins. S'il y a une pertinence de la formation, à mon avis, elle se situe par là. Et peut-être encore plus bassement, on va dire, des formations sur l'accompagnement administratif. Est-ce que ce serait pertinent ? Ouais. Justement, je rebondis avec quelqu'un d'art contemporain en Bretagne tout à l'heure. Pour le projet à Quimperlé, donc il y avait une partie du projet qui était financée par Art contemporain en Bretagne. Et à mon grand étonnement, il fallait que je fasse une formation de gestion en parallèle pour obtenir la subvention. Bon, c'était une subvention qui était liée au Covid. Et donc, j'ai eu 3 heures de formation pour la gestion d'entreprise au niveau, à l'époque, Maison des artistes, maintenant URSSAF Limousin. J'ai appris pas mal de choses sur des possibilités, de ce qui pouvait... Effectivement, j'ai une petite pensée. Là, il y a beaucoup de projets maintenant. On nous file une enveloppe globale pour gérer notre chantier. Je trouve que ça se développe de plus en plus, en tout cas à mon niveau. Et on se débrouille avec pour acheter notre matériel, louer les nacelles, faire la prête. Et ça, il y a une grosse erreur à ne pas faire. Par exemple, c'est de déclarer l'enveloppe globale dans son chiffre d'affaires, quoi. Parce que là, effectivement, on est imposé sur la totalité de l'enveloppe et ça peut vraiment être très compliqué derrière. Donc, il y a des petites choses à savoir qui, effectivement, font qu'on ne fait pas des erreurs assez naïves comme ça de gestion d'entreprise. Mais bon, c'est aussi indexé au fait qu'on est très, on part de zéro sur pas mal de sujets, dont celui-là, quoi.
Je pense aussi que c'est pas spécifique aux artistes urbains pour le coup, mais on demande toujours à l'artiste d'être artiste, mais d'être aussi comptable, organisateur, voilà, logisticien, effectivement. Enfin voilà, du coup effectivement, il y a une pertinence à au moins aborder ces différents sujets. Je pense voilà, c'est pas le fond de la pratique, mais effectivement, comme d'ailleurs la plupart des artisans, on n'est pas que ébéniste. On est aussi comptable, secrétaire. Voilà. Je pense que ça joue aussi pour beaucoup de professions. On est, à cause du contexte actuel où on doit beaucoup rendre compte, ou beaucoup travailler par Internet, remplir des dossiers, il y a de l'administratif. On est moins dans notre cœur de métier, mais c'est pareil pour plein de professions, en fait. Ça vient aussi, effectivement, moi, j'aimerais énormément avoir quelqu'un qui m'aide à rédiger mes dossiers, à faire toute cette partie-là, et c'est vrai que c'est compliqué. Après, il n'y a pas de référence, d'endroit où on pourrait aller chercher ces professions-là, et ça serait une question, enfin, une de mes attentes, en tout cas... par rapport à la fédération, par exemple, qui pourrait proposer des agents. Ne serait-ce que le tous les appels d'offres aussi qui sont... Bien sûr. Ça, c'est le lot... Je pense aussi que, comme tu décrivais, effectivement, là, on est en train de créer des métiers, en fait, avec cette pratique qui se développe. Effectivement, on a de plus en plus d'artistes ou de collègues d'artistes qui deviennent assistants nacellistes, par exemple. Enfin, c'est l'exemple que tu as donné. Mais je pense qu'on oublie un peu. Alors là, pour le coup, un truc qui est assez lié au graffiti, plus qu'à ce qu'on appelle le street art, qui était un travail qui est quand même une pratique plus collective. Enfin, pour moi, une des différences entre les deux, pour faire rapide, c'est il y en a un qui est un sport individuel, l'autre un sport collectif, un petit peu. C'est vrai que, par exemple, c'est notre cas, mais je parle pas uniquement du cas de mon collectif, mais on a, à un moment, on s'est positionné, chacun est artiste plus quelque chose. Il y a celui qui est artiste plus comptable, celui qui est artiste plus nacelliste, celui qui est artiste plus... voilà. Et quand tu disais où trouver les gens, ces gens-là qui font, en fait, on n'invente pas grand-chose, quoi. C'est des directeurs de production, c'est des gens comme ça. Ces gens-là existent, en fait, dans le spectacle vivant, dans ces pratiques-là. Nous, c'est le cas, par exemple, sur les événements qu'on monte. La structure qui porte l'événement, tout le monde est issu du spectacle vivant pour la structure administrative. Du coup, eux savent remplir ces dossiers. Enfin, ils ont les formations existent déjà. Il faut peut-être les spécifier un petit peu pour ce cadre spécifique, mais on est quand même... Enfin, voilà, en fait, ces gens-là existent. Il faut les chercher. Merci. Est-ce que on peut parler maintenant des résidences qui sont mises en place ? Alors, c'est une question que je me pose. Est-ce que les résidences... vous en faites? Alors, je sais que la réponse, c'est oui pour la plupart. Qu'est-ce que vous y faites et quel est l'avantage? Quels avantages vous tirez d'une résidence lorsque vous devez intervenir dans un lieu? Du coup, on va parler de la ville agrégable. Le lieu, il est déjà très spécifique parce que déjà, c'est à la campagne. Et en fait, à la base, l'initiative, donc c'est né d'une boîte à idées où en fait donc il a été proposé de recycler des bâtiments abandonnés en atelier d'artistes, lieu culturel. Et en fait le noyau dur, donc il y avait une employée de la mairie, enfin un employé, et le noyau dur des premiers arrivants, c'était uniquement des personnes issues de l'art urbain. Donc le ton était très branché art urbain. Et c'est vrai que dans la campagne où on était, c'était un peu un décalage. On faisait beaucoup d'événements où on était un petit peu que entre nous. Donc ça, c'était un petit peu un des grands défis. Et par contre, après, ce qui était cool, c'est que moi, comme c'était ma première résidence et que je venais du graffiti, où vraiment on n'est que entre graffeurs, on a un réseau uniquement de graffeurs, là, ça permettait d'échanger avec des artistes qui ont d'autres disciplines
Et du coup, bah, nous étant beaucoup autodidactes, ça permet aussi de, bah, d'explorer des nouvelles techniques, des nouvelles philosophies aussi. Et du coup, je pense que nos pratiques, elles ont beaucoup évolué là-bas, et aussi elles sont professionnalisées de par le fait d'être en résidence avec des artistes qui étaient déjà beaucoup plus professionnels que nous. Et même vis-à-vis aussi des lieux de diffusion, ça pouvait nous apporter aussi une crédibilité, cette proximité qu'on avait avec ces artistes. Donc voilà, moi, c'est la résidence, c'est ça que ça m'a vraiment apporté, c'est les échanges. Déjà au sein même, et après l'exposition aussi, forcément. Je trouve que ce format de résidence, quand il est court et qu'on a un projet qu'on a présenté, c'est un bon moyen de se sortir les doigts. Je vais être un peu... Mais en général, parfois, quand on a une pratique artistique à explorer, on peut y aller mollement, ou on peut avoir des appréhensions, ou se perdre en fait sur trop de recherches. Et là, le principe de résidence, comme il y a un temps déterminé, permet d'aller droit au but et d'avoir une pression positive pour arriver à une restitution et à un résultat qu'on n'attendait peut-être pas au départ en plus, parce que bah, y a cette pression et du coup on y va. Voilà. Donc je trouve que c'est assez moteur. Pour avancer en création. Alors, à titre personnel, ça ne m'intéresse pas beaucoup les résidences, surtout sur les résidences longues, déjà parce que, un peu par fonction, j'ai des enfants en bas âge et partir 2 mois au Kazakhstan, je sais qu'il y a eu un appel d'offres comme ça et c'était une résidence, bon, c'est fabuleux, quoi, dire, partir là-bas pour. Mais c'est franchement quelque chose, je pense, qui est plus. Peut-être, en tout cas, qui n'est pas adapté à mon cas personnel. Et bon, ça a des vraies vertus. Hein, c'est comme une forme un peu de retraite monastique. Moi, je le vois un peu comme ça, les résidences. Surtout que, parce qu'on est hors contexte familial, donc forcément, on n'est pas happé par les besoins de la vie quotidienne. Et bon, ça, c'est génial. On est, on va dire, plus concentré, quoi. Après, il y a des choses qui me font très envie. Hein, je pense à la résidence de la Villa Médicis. Parce que je suis copain avec les Que So What qui l'ont fait. Ensuite, il y a eu d'autres personnes qui ont réussi à obtenir cette résidence-là. Donc là, c'est assez particulier. C'est 1 an. On est une sorte de salarié du lieu. Donc on perçoit, on n'a pas d'objectif forcément de production derrière, même s'il y en a toujours. C'est une sorte de petite capsule de vie comme ça. Il y en a une autre au Japon aussi qui a l'air géniale à Kyoto. Bon, évidemment, c'est aussi, faut faire un dossier qui est extrêmement pointu et on est beaucoup choisi par rapport à la qualité de ce dossier. Et puis, j'imagine d'autres facteurs. Mais ça, c'est le genre de choses qui pourraient me plaire. Mais c'est un peu un... Ouais, ouais, je sais pas si c'est trop tôt, mais parce qu'ils étaient pas si finalement les Kessowat, ils ont profité d'un espèce d'effet d'aubaine, d'un projet qui les a mis un peu dans la lumière, et puis d'avoir les bons contacts, parce que c'est quand même très politique aussi, les décisions du jury sont donc forcément ils ont incarné une sorte de nouveauté. Tiens, prendre des artistes urbains dans cette résidence, c'était une première. Donc est-ce qu'il y a eu ça qui a joué, est-ce qu'il y a eu un rapprochement avec le Palais de Tokyo sur des projets, est-ce que ça a été en tout cas dans la continuité de ça, donc il y a eu peut-être des sésames un peu comme ça de grandes institutions, donc ça a influencé le jury aussi pour les choisir, donc je ne sais pas exactement les tenants les aboutissants, mais en tout cas ils ont réussi à le faire et je crois que ça a été plutôt une belle expérience, quoi. C'est vrai que ça me fait envie. Je suis tout à fait d'accord avec le côté émulation et bulle, capsule qui permet de se mettre dans ce travail. Je pense que ça apporte aussi autre chose, qui est un peu le paradoxe des festivals d'art, enfin des événements d'art urbain comme ça, c'est qu'on vient poser quelque chose dans une ville, dans un certain cadre urbain justement, mais souvent on est invité 4 jours, une semaine. La résidence répond un peu aux besoins de contextualisation, de pertinence par rapport au cadre urbain dans lequel on intervient, par rapport à ses habitants. Moi, j'ai souvent tendance à dire, pour moi-même et aux artistes que j'invite, c'est
super, mais il y a quelqu'un qui va ouvrir sa fenêtre tous les jours devant ce que tu fais. Et voilà, enfin, pour schématiser, on est un peu là-dessus. Et c'est vrai que pour des gens qui interviennent, voire qui, pour certains, imposent un visuel sur dans l'espace public, on a cette espèce d'urgence et de frénésie qui est propre déjà à la pratique, à l'outil qu'on utilise et tout, mais aussi au contexte des festivals, des différents événements, de la temporalité. On a des gamins, on a une maison, enfin, il y a des choses à gérer. Ça manque un peu d'immersion souvent, et du coup la résidence peut répondre à ce genre d'attente, je pense. Faut pas oublier que nos pratiques, en fait, finalement, chaque mur qu'on fait, c'est un peu une mini résidence aussi, tu vois. Donc j'étais à Paris une semaine, je produis un mur. Finalement, c'est un peu comme être en résidence. Un artiste d'atelier pur, finalement, il a pas ces bouffées d'oxygène là. Donc peut-être que c'est peut-être pour ça que j'envisage moins d'en faire, mais finalement qu'est-ce que c'est une résidence déjà en soi, on peut se questionner, je pense que... Moi ça me pose une question un peu technique en tant qu'organisateur, c'est que j'ai souvent donc avant de pouvoir faire réaliser un mural par un artiste, on doit faire des demandes préalables auprès de la ville qui sont très techniques, et je vais peut-être poser la question à Olivier Kurt justement. Nous, on arrive à réaliser des œuvres sans montrer ce que l'artiste va faire, parce que justement cette question de la résidence est hyper importante, parce que on invite des artistes qui sont extérieurs souvent à la ville dans laquelle ils vont peindre, au quartier dans lequel ils vont peindre, l'environnement dans lequel ils vont peindre, et s'ils n'ont pas ce temps sur place pour pouvoir créer, faire leur création justement là. Ils sont dans une espèce de détachement complet. Enfin, ils peuvent faire des recherches sur Internet, mais c'est important, je pense, d'être sur place et de voir les lieux, de s'imprégner des lieux et de rencontrer les gens pour pouvoir avoir une création qui va justement s'intégrer, pas uniquement visuellement, mais aussi socialement dans l'environnement, quoi. Et je voulais justement savoir, en tant qu'architecte des bâtiments de France, comment est-ce que tu ressens ça? Eh bien, c'est vrai que avec techniquement, quel problème ça pose, ouais, avec l'expérience de Vannes, c'est vrai qu'il s'est fait beaucoup de choses, notamment avec Laurent Sanchez et sur Dédale, et puis bref, où là effectivement j'ai été confronté pour la façade avec l'artiste Pantonio. Il me dit on va peindre la façade, mais dans la déclaration préalable tu verras pas le motif avant. Ah bon? Donc c'est d'habitude, on choisit la couleur du ravalement de façade, on a des râles, enfin, etc., on travaille avec des nuanciers, et là on me dit, je te dis pas, c'est une surprise. Donc faut valider, faire un chèque en blanc à l'artiste. Bon, il est un artiste connu, j'ai regardé son travail à Paris dans le 13e, je dis, allez, on y va, mais sauf que c'est une surprise totale, et c'est un peu inédit dans le code de l'urbanisme, quoi. Donc faut faire confiance, et là on a un artiste qui est quelque part hors sol, enfin, qu'on connaît pas, qui arrive, et qui s'empare d'un édifice. Après, quand il y a eu les jams dans les souterrains devant le Palais des Arts, là c'est pareil, on en parle avant, on me dit voilà, il y a telle intention qui va arriver dans la ville, voilà ce qui va se passer. Puis sur d'autres immeubles près de la préfecture et autres, il y a eu un dialogue préalable avec où on fixe une sorte de cahier des charges, et la prochaine étape, c'est ce qui va se passer sur le boulevard de la Paix, où on a toute une série de murs pignons qui sont restés orphelins quand ce boulevard est venu faire couper le lien de la ville avec ses faubourgs, et c'est une idée qu'on a eue ensemble, de dire bah tiens, il y a voilà un support idéal pour accueillir du street art, et là Laurent nous propose de travailler avec les scolaires, enfin d'aller au-delà, d'associer les habitants, de raconter une histoire, pas juste d'arriver et de s'imposer avec un style, enfin, que vous avez tous, etc., mais de faire un travail collaboratif. Donc je raconte ces trois histoires pour dire que voilà, on est passé de l'événement à au travail collectif, et maintenant le travail collectif avec les habitants, et je trouve que c'est de plus en plus riche, de plus en plus intéressant d'arriver dans la ville avec quelque chose qui justement qui témoigne de cette intégration, et voilà, de travailler ensemble, quoi, artistes, institutionnels et habitants. Parce que là, avec les différents projets que j'ai faits, on a affaire à différentes personnes, et je trouve, alors il y a une, j'aimerais savoir comment vous fonctionnez, bon, parce que on est face à des gens très ouverts comme vous, et on a fait un cinéma à Vannes
où on n'a même pas eu le sujet du visuel ou d'une remise en question de ce qu'on a proposé n'a même pas été sur la table et ça a été, bien apprécié, bien accueilli et tant mieux. Et je vais avoir affaire à votre confrère de Quimperois ou d'une autre ville, de Angers, de Rennes, de Caen, qui va me remettre en question le râle de la couleur que j'utilise parce qu'il faut un vert plus clair, il faut un rose pâle, il faut que ça aille jusqu'à telle hauteur. Je veux dire, est-ce que vous pensez à une charte nationale qui régisse quand même des codes, parce que là on a vraiment l'impression que c'est au doigt mouillé et que c'est, si la personne est ouverte à l'art urbain et que trouve ça génial, et ben tout est validé en deux secondes et il n'y a pas de sujet, ou alors on est face à un mur et des choses qui sont demandées par les gens qui sont accueillis, et on est face, alors il y a de l'ego, il y a de la politique, il y a des règles, mais pour moi c'est ça devrait obéir à un texte. Là on a vraiment l'impression que c'est la personne qui décide, mais et elle incarne un certain pouvoir politique de d'esthétisation de la ville, de l'urbain, et je pense qu'il y en a, ils le prennent très au sérieux, ça vraiment c'est je décide de comment est la ville, et bon, moi je l'impact d'une fresque à moi ou de quelqu'un d'autre, je sais qu'elle est pas neutre dans l'espace urbain et qu'il faut une harmonie globale, et que c'est pas neutre d'y apposer des fresques et de mettre un festival, et on voit bien que dans le 13e à Paris ça fait consensus au début, ça déplaît à d'autres, il y a des architectes qui sont contre, il y a débat, bon ça c'est un choix et je le conçois, mais vraiment moi j'aimerais comprendre, quoi. Ouais, vraiment, mais c'est pas agressif, c'est juste pourquoi. Votre question, elle est légitime. J'apprends qu'il y a des règles dans les départements voisins et qui ne sont pas les mêmes que celles qu'on peut appliquer nous. Et même entre nous, on est 4 architectes des bâtiments de France, rien que dans le Morbihan, on a des appréciations qui sont différentes. Ça, je pense qu'on peut le revendiquer comme étant, parce qu'on est architecte de formation, d'être artiste. Nous, on a fait l'école, on a 6 ans d'études, et donc on a eu un moule, mais après, et puis on a passé un concours, voilà comment on est arrivé là, mais ça fait qu'on a quand même, et heureusement, dans cette culture, dans l'architecture, c'est pas une science. On n'a pas un livre rouge, on a plusieurs livres rouges, le code de l'urbanisme, le code du patrimoine, le code de l'environnement, qu'on applique aussi parce qu'il y a des sites. On a travaillé ensemble avec Erika sur Carnac, face aux alignements, bientôt, j'espère, classé à l'UNESCO, et dans un périmètre très visité, très connu, mondialement reconnu. Eh bien, on arrive à créer quelque chose parce que, d'abord, on parle là aussi, il y a une histoire qui est racontée, mais je laisserai peut-être Erika parler de cette aventure-là. Et sinon, évidemment, on a nos personnalités, on a nos appréciations, et puis j'ai bien apprécié votre intervention, qui est que le mur, il est vu du voisin d'en face. C'est vrai que vous avez une responsabilité. Moi, j'habite très près d'un mur peint, personnellement, que je vois depuis chez moi. Et c'est vrai que quand je suis arrivé en Morbihan, je me fais inviter par le président du département pour me présenter à lui, donc un homme politique, ancien ministre, etc. Et la première chose qu'il me montre depuis la fenêtre de son bureau, la deuxième chose, la première, il me dit les vitres sont blindées parce que mon prédécesseur avait été ministre de l'Intérieur, donc je dis, bon, il tape sur la vitre en me montrant que c'est du solide. Et la deuxième chose, il dit, vous voyez, à travers cette vitre blindée, je vois le mur de Douron et il me dit, vous en pensez quoi? Et comme je le voyais tous les jours depuis mon arrivée, je dis, je trouve ça extra super sur un immeuble. Enfin, c'était en plus, il y a tout un ancrage avec les personnages bretons, etc. Je dis, c'est super. Grande déception de l'homme politique. Il me dit, je trouve ça nul. Il déteste, en fait. Voilà. Donc, vous voyez, personne n'était allé demander au président du département ce qu'il allait avoir sous la fenêtre de son bureau. Bon, et moi, je continue de le trouver bien, mais comment dire, effectivement, on a tous nos appréciations. Donc, d'où l'intérêt de se connaître. Enfin, si je viens aujourd'hui pour vous connaître, et puis aussi que vous connaissiez nos métiers avec un dialogue constructif. Vous avez parlé de blocage. Bon, j'espère que c'est une exception ou que c'est pas une attitude normale. On est là pour, moi, je conçois vraiment mon rôle d'architecte des bâtiments de France comme aidant, quoi. Vraiment aider n'importe quel pétitionnaire, depuis celui qui veut éclairer ses combles, agrandir sa maison, etc. On n'est pas là pour freiner, mais on est là pour accompagner en rappelant qu'il y a un contexte. On arrive dans un environnement qui est là avant vous, qui parfois va bouger, c'est-à-dire que c'est vrai que sur des œuvres, il y a le côté éphémère aussi qui s'installe. Vous ne construisez pas de maison, enfin, il n'y a pas de choses définitives. Donc, dans cet environnement-là, cet apport artistique, enfin, la création que vous apportez, eh bien, c'est vrai qu'on est parfois vu comme des juges, enfin, on doit estimer. Et nous, notre grille de lecture, c'est l'intégration à l'environnement.
Donc on a vu des dossiers en milieu rural, Grand Champ, on connaît bien le lieu, et en milieu urbain, bah, il y a le bâti. Alors évidemment, ce n'est pas la même chose de s'intégrer dans un centre-ville médiéval que sur un immeuble bah, des 60 ou les immeubles de la reconstruction, quand on pense à ce qui s'est fait à Lorient. Oui, même à Lorient, ça fait polémique, alors que dans le support bâti, on n'est pas sur un mur en pierre de taille, quoi. Donc le sujet, c'est voilà, d'évaluer, d'essayer d'évaluer, mais ça, on peut y arriver si on a un dialogue constructif, l'intégration de cette œuvre dans le paysage. Et il n'y a pas de recette magique. Enfin, on a tous nos personnalités, vous en avez aussi. Vous êtes certains très sympas, très faciles, d'autres un peu plus caractériels, j'imagine. Mais voilà, l'idée, c'est qu'on essaye quand même tous de se rapprocher de ce qu'on attend l'un de l'autre. Je sais que sur un dossier, par exemple, sur Auray, ma collègue est venue me présenter le dessin et elle le trouvait trop vif. Et là, on a fait un travail collégial. On s'est mis à... Enfin, c'est facile, on a attendu d'être trois dans le bureau. On a regardé l'image qui était proposée et on lui a dit non, vas-y, c'est bien, quoi. Et voilà. Je trouve que vous arrivez très tard dans les appels, quoi. Parce que moi, si dans l'appel à projet, on me dit les architectes des bâtiments de France souhaiteraient intégrer au lieu, prendre en compte l'architecture du quartier, utiliser les couleurs des terres de Sienne, les couleurs de la brique. Mais je trouve qu'on a des appels même de mairie, parce que là, les projets associatifs ou autres festivals, c'est différent, mais les projets de mairie, je trouve ça quand même surprenant de répondre à un appel à projet, d'être sélectionné, d'être voté, d'être admis, et après on propose une maquette et la BF dit « Ah ben non, on passe au rouge ». Mais pourquoi c'est pas dans l'appel à projet, quoi ? Ben s'il faut pas de rouge ou pas de magenta ou qu'il faut... Du coup, c'est étonnant dans le processus, quoi, d'être confronté sur le jugement final. Ou bon là pour Quimperlé, ça a été une solution d'avoir carte blanche sur les œuvres, mais c'est temporaire, ça dure un an, donc il faut repeindre derrière. C'est des solutions alternatives pour avoir carte blanche sur les fresques, mais après bon, c'est vrai que je étant donné que je réponds quand même maintenant beaucoup à pas mal d'appels à projets en France et même à l'étranger, je trouve bon, voilà vraiment ce... Votre remarque est pertinente. On revient peut-être juste à ce qui était dit sur la formation, enfin sur le formalisme un peu. C'est vrai que peut-être à vous aussi, quand vous êtes sollicité pour un environnement sensible, pas l'image qu'on a sous les yeux, mais encore qu'on pourrait imaginer qu'il y ait une croix 17e qui soit perdue au milieu de cet ensemble. Mais si, voilà, elle n'est pas loin. Tiens, bah alors, mince. Et en tous les cas, voilà, si on sait quelque part, à un moment, on va rentrer dans le processus décisionnel pour autoriser, puis accompagner aussi. Ne pas oublier que nous, parce qu'on nous attribue beaucoup de pouvoir, mais on ne fait qu'un avis auprès, en l'occurrence, lors d'une déclaration préalable. C'est bien l'autorité administrative, le plus souvent le maire, qui donne l'autorisation en s'appuyant sur notre avis et qui est effectivement parfois dans les cas de co-visibilité qui est conforme, le maire doit le suivre. Il y a aussi tout le cas des avis simples où on est plutôt de l'ordre du conseil et on va alerter un élu en disant attention, parce que lui aussi doit rendre des comptes. On a sur Vannes en ce moment, ça n'a rien à voir avec l'art urbain, mais toute une opération immobilière qui s'est faite avec un choix de couleur, tout a été fait dans un ton jaune sur les quais de la Rabine. Bon, c'est très critiqué, le maire en a encore parlé en réunion publique cette semaine, parce que voilà, il y a un architecte, là c'est pas un artiste, c'est un architecte qui est arrivé avec une proposition d'un immeuble très coloré, monochrome et dur dans l'environnement, qui ne répond, qui ne rejaillit avec rien. Donc là, il y a une vraie critique sur l'intégration de cette opération que le maire prend, parce que moi, j'étais pas du tout dans le coup. Mais comment dire, voilà, c'est toute cette question-là, comment on s'intègre sans heurter, quoi. C'est une question, en effet, qui méritait d'être soulevée. Tu voulais intervenir, Nicolas ? Je voulais... Non, mais il n'y a pas de souci. Si c'est le cas, tu peux y aller. Je propose qu'on s'en aille dans les Côtes d'Armor et qu'on s'intéresse un peu au terrain de jeu briochin. Est-ce que, Jérémia, toi, tu voudrais nous dire comment la mairie s'est emparée de l'art dans l'espace public et, en gros, comment il a évolué à Saint-Brieuc en particulier ? Une réponse courte ? Non, t'as le temps, parce qu'en fait, si on estime le temps de parole de chacun, je pense que tu peux non, parler. Je veux désespérer personne, j'essaie d'être concis. Saint-Brieuc a historiquement une grande connivence avec les interventions artistiques sur l'espace public. Bon, c'est une ville qui a eu un passé punk très marqué, donc avec effectivement beaucoup d'artefacts sur l'espace public depuis très longtemps. Un premier festival est arrivé tout début des années 2000. Poche était d'ailleurs directeur artistique sur la partie, notamment sur l'organisation des Jam Graph, donc un festival qui s'appelait Cité Rap, qui a disparu au bout de 15 éditions. Et puis,
Ça a permis à toute une scène locale d'émerger, bon, qui fonctionnait beaucoup en Vandale, notamment sur le site du port. Et puis en 2018, je vais vraiment très vite, hein, je vais faire 20 ans d'histoire de l'art urbain à Saint-Brieuc en 23 secondes. Je vais m'attarder un petit peu plus sur les 4 dernières années. 2018, deux événements naissent. Un gros événement qui s'appelle Chez Cart, sur lequel je vais m'étendre un petit peu plus. Et puis parallèlement sur un quartier au sud de la ville, quartier de Robien, un comité de quartier s'empare aussi de cette question de l'art urbain et met ça dans les mains des habitants, donc où les habitants peuvent avoir recours à un artiste qui va leur repeindre leur boîte aux lettres, qui va habiller leur mur de garage, etc. Donc on a effectivement tout un écosystème un peu varié sur cette ville. Et puis je reviens donc sur cet événement Chez Cart qui lui devient l'événement un peu central sur la ville et qui croise toutes les problématiques qu'on évoque, enfin les problématiques ou les thématiques qu'on évoque ensemble depuis tout à l'heure, puisque c'est d'un coup dans une ville avec un patrimoine bâti très présent et très diffus, une proposition avec 18 supports qui vont être peints sur 5 jours. Donc on retrouve votre collègue ABF proche de la PLS. Hein, il faut effectivement discuter avec lui pour voir comment le surgissement d'une petite vingtaine d'œuvres peut se faire sur un centre-ville assez riquiqui. Les choses se passent plutôt bien. Alors, oui, plutôt bien. Je reviendrai après sur les procédures en question, mais ça, les choses se passent plutôt bien. Donc les 18 œuvres sont créées ça produit d'un coup un certain nombre de phénomènes. Le premier, c'est que on se rend compte qu'il y a un engouement populaire absolument incroyable, vraiment incroyable, avec du monde dans les rues pendant 4 jours. Dans des proportions assez rares. On n'est pas sur la fréquentation d'Art Rock, qui est la grosse locomotive événementielle sur la ville, mais on est quand même sur beaucoup de monde dans les rues, avec évidemment alors quelque chose qui ne va surprendre personne ici, mais l'intérêt très fort du public pour le lien direct à l'artiste en train de créer. Ça, c'est vraiment quelque chose que les gens soulignent. En plus, ils peuvent venir en famille, ils peuvent y rester une demi-heure, ils peuvent y rester toute la journée. Enfin, voilà. Il y a un mode vraiment très souple et très, très, très plaisant pour le public qui y vient. Et puis, un autre phénomène qui démarre très vite après, c'est le boom sur ou l'impact sur la politique touristique. Donc, on a effectivement une ville avec un centre-ville historique qui est parcouru par des touristes qui viennent voir les maisons à colombages. Environ 2000 dépliants remis par l'office de tourisme. Et puis, on a aussi des touristes qui viennent voir le circuit des murs peints en centre-ville. Et là, on est à 6000 exemplaires. Donc, on est en une année, on est sur une fréquentation qui est triple sur le street art par rapport au patrimoine architectural classique. Se pose bien sûr la question de qu'est-ce qu'on fait de ça. Parce que bien sûr, les gens qui nous ont proposé 18 façades vont nous en reproposer 18 autres l'année prochaine. Et c'est à ce moment qu'on commence à réfléchir à ce que vous pointiez, c'est-à-dire à quelles procédures on met en place, à la fois pour protéger la liberté d'expression et de création des artistes, ne pas sursaturer aussi le centre-ville de propositions visuelles qui, à un moment, peuvent être un peu... Trop présente, et puis en même temps rassurer les collègues de l'urbanisme et puis travailler avec l'UDAP pour effectivement avoir quelque chose d'assez harmonieux. Je ne vais pas rentrer dans les détails des différentes tractations, des réunions plus ou moins houleuses qui ont parfois eu lieu. Toujours est-il qu'on est quand même parvenu à un mode de fonctionnement qui est le suivant. L'opérateur nous... excusez-moi, je vais devenir très techno pendant deux petites secondes. L'opérateur, donc qui est le festival Chez Cart désormais, nous fait part très en amont des surfaces qu'il souhaiterait investir. Donc on se rapproche de l'ABF pour savoir si ces surfaces sont en SPR, donc sur un espace vraiment très protégé. S'ils ne sont pas dans le SPR, c'est plus simple. S'ils sont dans le SPR, l'ABF nous dit, ben oui, cette surface, vous pouvez la prendre. Non, vous ne pouvez pas la prendre. Vous pouvez la prendre dans certaines proportions, puisqu'on a des préconisations parfois d'intervenir sur 40, 50, 60% de la surface.
ce qui en général ravit les artistes puisqu'ils sont infoutus capables de savoir ce que représente 50% de la surface qu'on leur présente, ce qui est normal. Bref, oui, ils s'en foutent, oui, ce qui arrive aussi parfois. Donc, une fois qu'on a établi ce premier lien avec l'ABF, on revient vers l'opérateur en faisant part des préconisations qui, lui, du coup, abandonne ou pas les surfaces qu'il souhaitait investir et puis se redéploie sur d'autres lieux. Quoi. Donc, on arrive assez facilement quand même à trouver le terrain de jeu dont on souhaite tous pouvoir faire bénéficier l'événement. Un dernier petit mot, puis après je te passe la parole, Nico, pour compléter ce panorama trop rapide. Je reviens aussi sur ce que vous évoquiez, sur la nécessité aussi de tenir compte des habitants, de bien imaginer effectivement que les murs qui sont posés, ils s'intègrent dans le quotidien de tas de gens, c'est ce que tu pointais aussi. Et on se rend compte, après quelques années, qu'on a des phénomènes assez étonnants. J'en cite un qui est à la fois anecdotique et pas du tout. Il y a eu des grosses signatures qui sont intervenues dans le quartier de l'Europe à Saint-Brieuc. Donc c'est par exemple ce mur-là, quartier de l'Europe, qui est un quartier vraiment un peu compliqué sur la ville et où on est en train de travailler, et ça a été la demande des habitants, à ce que des habitants deviennent des habitants guides. C'est-à-dire que ce sont les habitants qui accueilleront les touristes pour leur faire part un peu du projet qui est déployé sur le quartier. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on est passé en 2004 d'un festival Cité Rap où il y avait des jam graphs et où effectivement on mandatait le service jeunesse pour proposer ça au nom des quartiers qui étaient quand même à traîner sur les bancs. On ne pose pas la question des vieillards qui traînent sur les bancs, mais les jeunes qui traînent sur les bancs, c'était problématique. Donc il fallait leur effectivement proposer des activités graphes. On est passé de politiques publiques qui étaient un peu de cet ordre-là par rapport à l'art urbain, à des politiques maintenant publiques où l'art urbain devient le support à des vraies démarches d'implication citoyenne dans les quartiers, mais aussi en centre-ville. Et ça, c'est quand même une dynamique qui est sacrément intéressante, même si elle est toujours un peu fragile. Voilà, je m'arrête là et je passe la parole à Nicolas sur la partie C'est parfait. Oui, tu voulais intervenir, Nicolas, tu voulais compléter. Alors, en fait, c'est vrai que j'ai 1000 questions encore. Et il faut aussi qu'on vous laisse le temps, un temps de parole. On m'a susurré dans l'oreillette qu'il fallait que je passe la parole au public. Il nous reste 20 minutes. Il y avait la question du rapport avec le public. Il y a la question de la cartographie des lieux à Saint-Brieuc. Il y a la question de la patrimonialisation et l'auto-patrimonialisation de certains lieux, de certains espaces. Bref, je ne peux pas faire cette liste, malheureusement, on n'a pas le temps. On en reparlera peut-être après, ou peut-être que des questions sont en lien avec cela. Je passe la parole. Alors, oui, Jean. J'ai une question qui revient sur le sujet de la formation qui était évoquée. Et c'était évoqué toujours une formation dans l'institution qui s'adresserait aux artistes, où en fait, souvent, que ça a été évoqué d'être un peu démuni par rapport à l'administratif, par rapport aux impôts, par rapport à gérer des budgets, des choses comme ça. Mais en fait, une formation artistique, elle existe déjà d'une certaine manière. Je me posais la question... Pensez, monsieur architecte, par exemple, vous l'avez évoqué, souvent, enfin, je suis artiste moi-même, souvent on est face à des architectes qui ne connaissent pas notre culture, entre guillemets, qu'il s'agisse de street art, du muralisme, de graffiti. Est-ce que la formation serait pas, qu'est-ce que vous en pensez, serait pas intéressant de la proposer plutôt aux autres intervenants, c'est-à-dire à l'institution même? Parce que souvent, on est bien démunis face à des gens qui n'y comprennent rien, qui ne connaissent rien, qui se réfèrent aux likes Instagram et qui n'ont que très peu de références par rapport à l'enracinement de cette culture. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je suis tout à fait d'accord. Je suis arrivé il y a 5 ans et j'ai eu de la chance. J'ai rencontré Laurent Sanchez et ce lieu qui émergeait, qui s'appelait Dédale à l'époque, où j'ai d'ailleurs, puisqu'on avait des réunions, on appelle ça un collège des architectes des bâtiments de France, parle sous le couvert de ma directrice. Et là, bah, comme j'étais nouveau, j'étais le dernier à arriver, j'ai invité tous mes collègues bretons. On est entre 3 et 4 par département. Et la visite, on a travaillé le matin. Et l'après-midi, on avait été guidés, c'est Max qui nous avait accompagnés. Et on a visité Dédale, qui a enthousiasmé tous mes collègues. On a tous découvert. Et puis,
ce qui a été dit tout à l'heure, vous maîtrisez ça par cœur, la différence entre le graphe, le tag, etc. Et le muralisme, enfin voilà. Donc cette histoire-là, moi j'ai eu la chance, j'ai eu un super professeur qui m'a formé. Je ne sais pas si Laurent voudrait faire ça pour tous les ABF bretons, ce serait assez merveilleux, ou d'autres personnes qui seraient... Enfin nous, on est demandeurs comme vous. Enfin, je pense qu'on a dans cette culture commune, on a beaucoup à s'apprendre les uns des autres. Et quand ils sont tous sortis, je vais vous raconter ce qui s'est passé. Donc 12 ABF bretons visitent Dédale. Et ils me disent, parce qu'à l'époque, c'était un lieu éphémère, promis à la démolition. Et ils m'ont dit, faut pas que tu laisses démolir ça. Je dis, me mettez pas le bazar. C'était quand même dans le projet Rive Gauche de le démolir. La semaine dernière, le maire a présenté le projet culturel de la Rive Gauche, où il annonce très politiquement que ce lieu, sous la forme actuelle ou une autre, va être pérennisé. Il a fait la preuve de son intégration dans la ville. C'est devenu un indispensable de la ville. Vous avez parlé tout à l'heure des 100 000 visiteurs. Et ça continue depuis, d'ailleurs. Et le maire ne conçoit pas de se passer de cette... Alors, vous pouvez le regretter. Enfin, c'est le débat de fond, d'ailleurs, d'aujourd'hui. On part du vandale et on arrive à l'institutionnalisation. C'est une vraie question et qui, sans doute, vous interpelle tous. Mais voilà, là, on a quelque chose qui a convaincu, qui avait séduit mes collègues architectes des bâtiments de France en me disant, ce que tu fais là, c'est génial. Et juste à côté, il y a autre chose. Il y a le mur qui s'est installé au rez-de-chaussée de la capitainerie. Là, c'est un autre dispositif que j'avais déjà connu à Dijon. On était venu me demander au cœur du site patrimonial remarquable, anciennement secteur sauvegardé, l'autorisation de mettre un support. Donc réglementairement, moi je n'avais autorisé qu'il y a une déclaration préalable, le cadre. Et ensuite, le remplissage, il est soumis à une commission qui évalue, c'est chaque mois, l'objet est repeint. Il y a d'ailleurs des propositions parfois assez audacieuses. Il y a eu des choses très, très curieuses ou audacieuses. Mais voilà, là, on sait qu'on part sur... C'est cadré, c'est un mois d'occupation. Ici, c'est deux mois, trois mois. Ouais. Et c'est bien. Et alors après, ça pose une autre question, c'est la nostalgie. Enfin, moi, il y a des choses qui me plaisent beaucoup. Et puis, c'est un peu triste parce qu'elles sont recouvertes. Alors, Laurent m'a dit qu'il ne fallait pas que je sois triste parce que c'était normal, même les passages sous le palais des Beaux-Arts, devant le palais des arts, des congrès. Voilà, mais je pense que c'est peut-être quelque chose qui vous interpelle, vous, les artistes. C'est l'attachement de... On a vu des choses là qui sont très présentes et les gens ils finissent par s'y attacher, non, à vos œuvres. Et vous n'êtes pas triste quand c'est recouvert ? Alors, en tant qu'artiste, c'est un autre sujet. En tant qu'organisateur, on se fait très régulièrement engueuler quand on repasse un mur. Je veux dire, c'est un peu, d'ailleurs, il y a le débat, tiens, ce mur, tiens, on va faire refaire tel ou tel mur. Il y en a certains qu'on ne fait pas refaire par peur des représailles, enfin, pour le dire. Mais la question de l'attachement des habitants à une œuvre, elle se pose. On en parlait tout à l'heure en off, mais à Madrid, il s'est passé quelque chose d'assez singulier. Un collectif d'habitants s'est mobilisé pour restaurer un graffiti vandale de Mouillet, qui est décédé prématurément, lui. Et donc, c'est une restauratrice qui travaille d'habitude dans le musée du Prado, qui est intervenue pour restaurer, et ça a fait évidemment débat, pour restaurer un graffiti qui avait été fait en 82, je crois. Ouais, je trouve que c'est une remarque assez pertinente, j'allais rebondir aussi là-dessus. Là, on est dans un plein boom du muralisme depuis, on va dire, vraiment 5-6 ans. On va se poser la question, dans une dizaine d'années, de comment on traite ces façades qui se sont abîmées par le temps, par les UV, par différentes raisons. Et là, je pense que peut-être la Fédé pourrait aussi... anticiper peut-être cette vague de murs, de tous ces festivals qui se font dans toutes ces villes, et de dire qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on ravale ? Est-ce qu'on repeint ? Est-ce que d'autres artistes interviennent ? Est-ce que, parce qu'elles sont devenues un peu cultes, elles nécessitent une restauration ? Je sais que Jean a déjà eu le cas à Angers sur une fresque qu'il a restaurée lui-même, parce que bon, il n'a pas encore trépassé, donc il est encore en capacité de la restaurer, mais peut-être que sur des... Et là va se poser la question de qu'est-ce qui est iconique, qu'est-ce qui ne l'est pas, et je trouve que c'est des débats qui peuvent déjà être anticipés aujourd'hui. Donc la fédération a participé à une formation auprès justement des institutions du ministère de la Culture. Donc un petit peu pour, d'ailleurs, c'est Stéphanie Lemoine qui est derrière moi qui a pris ça en charge. Bonjour Stéphanie. Donc on s'occupe un peu de la partie éducation des élites culturelles, entre guillemets. Hein. Et voilà. Et l'autre chose concernant la restauration, en effet, c'est un vrai problème.
Il faut savoir que beaucoup d'œuvres ont été autorisées, par exemple, dans le 13e arrondissement, parce qu'elles étaient provisoires. Certaines, c'est du provisoire qui ne devait pas durer au-delà de 3 ans. Et malgré tout, ben voilà, 10 ans plus tard, elles sont là, toujours là. Donc la restauration, par exemple, la ville de Paris se pose beaucoup de questions sur des œuvres qui avaient été commandées dans les années 80, 90, de Combas, enfin un peu de toute cette clique d'artistes. Et maintenant, les restaurer coûte plus cher que d'en commander une nouvelle. Donc la ville de Paris se pose beaucoup de questions sur la pérennité de ces œuvres-là. Moi, je trouve que c'est une question intéressante. Personnellement, je serais pour que les choses s'effacent et qu'elles disparaissent, ce qui serait bien. Il y a le cas de la fraise de Kessaring à l'hôpital Necker. Oui, oui. Là, il y a une facilité à restaurer parce que c'est finalement assez techniquement, pour un peintre professionnel, c'est possible. Mais c'est vrai que dans des fraises très figuratives, on va se poser avec les... Il faut que ce soit l'artiste qui le fasse. Ouais, mais en même temps, je veux dire, voilà, les artistes passent ou trépassent et il faut à un moment donné qu'on prenne en charge la restauration de ça. Ça a un coût énorme. Mais là se pose la question de c'est Kessaring. Donc, oui, alors là, voilà, on a un acteur historique. C'est une star mondiale. Oui, ouais, on a un acteur historique. D'ailleurs, je trouve d'ailleurs une restauration que je ne trouve pas obligatoirement très réussie. Donc, ouais. En fait, Mathias, tout à l'heure, tu disais, tu expliquais comment vous avez mis en œuvre l'analyse, le diagnostic, que c'était compliqué, enfin que c'était pas simple de prendre contact avec les artistes, savoir qui était où, et que c'était via votre réseau, en fait. Et moi, je me pose la question d'un listing, en fait, qui permette de visibiliser, en fait, les artistes qui sont en Bretagne, localement, et de justement favoriser le travail avec des artistes locaux plutôt que d'aller chercher peut-être des internationaux, ou, enfin voilà, au moins de travailler ce réseau. Et je ne sais pas s'il y a quelque chose qui existe déjà, mais en l'occurrence, de ce que tu as pu dire tout à l'heure, Mathias, ce n'était pas forcément réel. Bah, du coup, j'ai fait un listing. Ah oui. Il existe. Après, je pense que c'est le genre de choses qu'il faut qu'on partage justement avec la fédération, parce que c'est intéressant de savoir qui est où, qui fait quoi. On a fait le choix parce qu'on ne voulait pas avoir de travail d'iconographie qui pose des problèmes de droit à l'image, tout simplement, ou de choix, quel artiste fait quoi et pourquoi ce choix-là. Mais je pense que c'est un travail qui mérite d'être fait, qui peut servir de repère aussi, ne serait-ce qu'aux institutions territoriales, de savoir quels artistes ils ont sur leur territoire, puisque cette connaissance, ils n'ont pas forcément. Ça existe dans les arts visuels, mais les artistes d'art urbain ne sont pas forcément encore rentrés dans ce système-là. C'est un boulot qui est, je pense, à faire avec ACB, en tout cas pour la Bretagne, et puis peut-être au niveau français, avec la fédération aussi. Après, c'est du travail. Il faut avoir les forces aussi. Moi, je voulais juste dire un mot, en fait, en tant que prof de fac et graffeur, mais pas prof de graphe. En fait, je suis responsable... D'un master de direction de projet d'établissement culturel, et je m'interroge sur la pertinence de mentions spécifiques, enfin d'art urbain. Je pense pas qu'on ait besoin de master d'art urbain. Il y a beaucoup de formations. Alors c'est pour compléter ce que tu disais, du côté de l'administration de la culture, il y a plein de formations, que ce soit dans les universités, dans les Sciences Po. Enfin, il faut y aller en tant qu'intervenant spécifique. Enfin, je parle pour les artistes ou enfin les experts. Voilà, il y a une vraie demande. Enfin, moi, en tant que responsable de formation, j'ai pas besoin de convaincre mes collègues de l'intérêt de faire venir des experts ou des organisateurs de projets de street art, ou comme on veut. En fait, voilà, il y a déjà une offre de formation qu'il faut investir. Et enfin, c'est ça qui me semble nécessaire plutôt que la création de diplômes spécifiques ou autre quoi. Voilà. Peut-être qu'il faudrait, dans ce cas, prévoir une formation qui intègre toutes les accompagnements administratifs, juridiques, techniques dont on a parlé. Alors, c'est pas sexy, mais en effet, c'est un élément à prendre en compte, en tout cas, développer, pas forcément sous la forme d'un diplôme, mais un accompagnement de formation sur ces questions-là pratiques. Je vais y aller. Moi, je voulais revenir sur l'histoire les œuvres d'art dans l'espace public. Les œuvres, à partir du moment où une œuvre, c'est une œuvre d'art, elles sont pérennes, inaliénables, imprescriptibles.
parce qu'elles sont des œuvres d'art. Et donc, la question de la pérennisation des œuvres d'art dans l'espace public, elle se pose pour toutes les œuvres d'art depuis la nuit des temps. Les sculptures qui sont dans l'espace public, elles sont là pour l'éternité et elles sont à la charge du dépositaire ou de l'affectataire pour être entretenues en bon père de famille. Mais, Woody Allen, l'éternité, c'est long, c'est surtout très long à la fin et c'est très, très encore beaucoup plus long pour les œuvres qui ne sont pas dans les White Cube. Où effectivement, là, il y a tout un personnel scientifique avec leurs petits doigts, pas crochus, mais attentifs, pour les restaurer. Les œuvres d'art dans l'espace public, elles souffrent des intempéries, machin, machin. Mais elles souffrent, on en a parlé hier soir, elles souffrent aussi beaucoup, les œuvres d'art dans l'espace public, parce que je ne sais pas qui ce matin a dit que la différence entre une œuvre d'art de l'art urbain et de l'art contemporain, c'était le cartel. C'est toi peut-être, Mathias, qui a dit ça. Moi, mais j'exigerais en tant que citoyenne, en tant que quelqu'un qui se promène toujours dans l'espace public, que les œuvres d'art soient qualifiées comme telles et qu'on nous dise ceci est une œuvre d'art, ceci est une œuvre d'art. À partir du moment où une œuvre d'art, elle est nommée, il y a une inauguration, elle a été baptisée, on l'a nommée, on a fait un cartel où on expliquait de quoi il s'agissait. Qu'il fallait être attentif, que c'était une œuvre d'art, parce que c'est vrai, moi j'ai tout travaillé dans l'art contemporain. Il y a des tas de choses dans l'espace public que je n'identifie pas comme étant des œuvres d'art. Et les élus, parfois non plus. Et franchement, ce n'est pas de leur faute. Donc, sur cette histoire de la préservation, de la pérennité, il y a quelque chose aussi à avoir. Il faut médiatiser les œuvres, il faut les faire connaître comme telles, il faut leur raconter leur histoire. Et je pense que bon, on peut pas tout conserver, mais on peut quand même essayer d'être attentif aux réalisations des artistes. Mais simplement pour rebondir, peut-être il y a aussi un pan qui se développe sur la médiation, l'indexation, la constitution d'archives. On va en parler cet après-midi aussi. Les accompagnements qui sont mis en place par des structures associatives, des mairies, pour accompagner les spectateurs, leur proposer des capsules sonores, des QR codes. Bon, il y a des choses qui se mettent en place, voilà, qui permettent justement d'amplifier et de constituer comme telles ces interventions, comme des interventions artistiques à part entière. Je voulais rebondir sur les questions de restauration et sur madame qui a du coup parlé de l'inaliabilité des œuvres, etc. C'est une question qu'avec le réseau on travaille aussi voilà auprès des artistes. Peut-être que ça croise aussi la question de la formation et du coup de la question multidirectionnelle de ces questions de formation, c'est la question de la contractualisation en fait. C'est-à-dire comment une œuvre apparaît dans l'espace public, puisque de toute façon il y a plusieurs statuts qui sont concernés. Il y a l'artiste, il y a éventuellement l'architecte des bâtiments de France qui donne un avis, il y a une municipalité, possiblement il y a une copropriété où il y a, puisque le mur appartient à quelqu'un, donc peut-être qu'il y a une réflexion à installer sur la durabilité effectivement de l'œuvre, sur les modalités de son entretien, sur etc. qui du coup concerne l'ensemble des acteurs et un dispositif de contractualisation qui permet aussi de concerner les populations, de les intégrer possiblement dans la démarche. Je sais qu'il y a des choses qui existent comme ça dans le cadre des commandes et du 1%. Des commandes qui sont passées dans le cadre du 1%. Je sais qu'à Rennes, il y avait une fresque d'un artiste qui s'appelle Télémaque sur le Liberté. Quand le Liberté a été rénové, tout le monde a cherché ce qu'il y avait dans le contrat et on ne retrouvait pas le contrat. Donc ça, voilà, ça a été l'objet d'une forme de conflit, etc. Donc voilà, autour de cette question de la contractualisation entre les parties, il y a peut-être donc d'anticipation des projets, qui est un mot que j'ai entendu aussi. Il y a peut-être voilà une forme un peu à réfléchir pour donner assurer les formes de pérennité pertinentes dans l'espace public de ces œuvres. Je pense que c'est quelque chose qu'on a de plus en plus, en fait, cette temporalisation dans les contrats avant même la réalisation,
aussi par essai-erreur, c'est-à-dire qu'on s'est retrouvé confronté à des œuvres, on les efface pas, qui les efface, qui les rénove, le propriétaire, il veut ravaler sa maison, enfin bref, voilà tous les sujets qu'on connaît tous ici. Et de plus en plus, alors que ça soit en tant qu'organisateur ou en tant qu'artiste, on a en face de nous, on propose des contrats avec une certaine temporalité, qui est souvent une temporalité à minima, en disant voilà, ton œuvre va tenir 2, 3, 10, 15 ans, c'est le propos. À partir de cette temporalité, on peut intervenir dessus, soit la faire renouveler, soit la faire effacer, soit la, voilà. En fait, c'est des choses, comme beaucoup de choses dans cette pratique qui est encore en construction, qu'on met en place petit à petit, mais qui sont en train de... Enfin, c'est une question qui s'est beaucoup posée, mais qui se pose de moins en moins, en fait. C'est ce que je voulais en dire pour les œuvres récentes. Pour compléter ce que vient de dire Nicolas, on essaye aussi d'inventer des... Inventer, le terme est un peu ambitieux, mais on essaye d'expérimenter des choses pour évidemment documenter tout ce qui se fait en matière d'art urbain. C'est-à-dire que déjà garder trace de ce qui s'est fait, quand bien même ce qui s'est fait serait amené à disparaître, c'est déjà un bon début. Alors garder trace, c'est... On édite un maladroit catalogue des œuvres qui sont réalisées tous les ans dans le cadre du festival, mais ça nous permet déjà de garder effectivement trace de ce qui s'est passé. Et puis après, on essaye aussi d'imaginer parfois des choses un peu plus inhabituelles. Erika est intervenue sur une palissade, sur un monument classé à Saint-Brieuc, et on a convenu que quand la palissade serait démontée, puisqu'elle sera démontée quand les travaux seront terminés, on découpera des morceaux de la palissade qu'on intégrera dans une artothèque qui sera mise à disposition des établissements scolaires. Donc c'est aussi un moyen comme ça de faire perturber au moins des petits morceaux de l'œuvre et de lui donner une dimension vivante et permanente. Je voulais revenir sur la question de la formation. Je suis là. Je m'appelle Sarah, je suis en charge des projets pour l'association Plus de Couleurs à Nantes. Donc on fait un petit peu tous la même chose. On a un lieu de diffusion, on a un mur aussi qui s'appelle le mur Nantes sur la façade d'un ancien bunker et pour lequel on a eu quelques difficultés avec les bâtiments de France, évidemment. D'ailleurs, je salue votre travail dans votre secteur. On aimerait bien avoir quelqu'un comme vous par chez nous. Et donc, je rejoins les réflexions d'Yann sur le fait qu'on aimerait bien comprendre quel est le mode de fonctionnement. Je voulais parler de la formation parce que c'est un sujet qui nous intéresse beaucoup. À Nantes, on travaille sur Arcane avec Nicolas Xolé et l'équipe de la FED. L'archivage, la conservation de ce qu'on fait, pour nous, ça a beaucoup d'importance. Mais on se dit aussi que travailler sur ces sujets-là, c'est en allant justement parler aux professionnels, comme on vous l'a déjà dit tout à l'heure, architecte des bâtiments de France, mais ça va aussi être pour moi ceux qui étudient l'histoire de l'art, par exemple, les conservateurs du futur ont besoin justement d'avoir ces informations-là. Nous, on travaille avec des médiatrices qui sont historiennes de l'art, qui n'ont jamais entendu parler d'art urbain dans leur formation, ou très très peu. Et donc, voilà, sur ces sujets-là, on essaye justement de travailler, de militer là-dessus. On a d'ailleurs une table ronde à Nantes en février sur la thématique de savoir comment on enseigne l'art urbain et comment on donne les clés de compréhension aux commanditaires, aux futurs commanditaires. Je pense que sur la partie artistique, ce qui concerne les artistes urbains concerne tous les artistes. Moi, je travaille avec des graphistes, je travaille avec des artistes qui viennent de milieux très différents, même de la musique, et qui ont les mêmes problématiques que vous. Je ne sais pas remplir un contrat, je ne sais pas faire une facture, suivre ma compta, je ne sais pas faire ma propre communication. Pour moi, je rejoins ce qui a été dit tout à l'heure, ce n'est pas créer une formation pour ça, c'est faire en sorte que l'ensemble des artistes, dans leur formation, aient des temps dédiés à ça, en fait, à la gestion de leurs travaux et de leur carrière. Et je pense qu'en effet, ce n'est pas en créant un master art urbain qu'on arrivera à ça. Au contraire, pour moi, c'est encore plus stigmatiser le milieu que de vouloir faire ça. Je pense qu'il faut l'intégrer dans tout. Je salue aussi l'initiative de la FEDE qui a travaillé avec l'IMP, donc les futurs conservateurs de musées et centres d'art. Et je trouve que ce genre d'initiative, c'est ce qui nous aidera à visibiliser de plus en plus nos artistes. Merci à vous.